Ceci est la première des trois scénettes qui vous sont présentées ce soir. Elles seront rejouées toutes les heures. Pour des raisons scéniques, certains événements ont subi quelques modifications. Toute ressemblance avec une personne vivante ou ayant vécu n'est que pur hasard. Cette année, la période de l'histoire que je vais vous raconter n'est pas trop éloignée de votre histoire. Nous sommes en 1939. La France et l'Angleterre viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. La quasi-totalité des troupes françaises a été mobilisée, séparant ainsi les hommes de leur famille. L'armée française avait fait construire la ligne Maginot, dispositif militaire de défense, composé d'ouvrages répartis stratégiquement le long du Rhin pour abriter notre pays de toute intervention militaire ennemie. Celle de mon mari et de notre maison. C'est peut-être tout ce qui me reste de chez nous. Mais d'où venez-vous tous? Cela fait maintenant depuis le début de la matinée que je vois des gens passer dans les rues de Benfeld. Nous venons de Boffsheim, de Rhinau et des autres villages du Ried. Le ministère de la Défense nationale nous ordonne d'évacuer nos villages et de quitter nos maisons. Il paraît que 200 000 Strasbourgeois sont évacués. L'armée a peur que l'artillerie du Rage bombarde nos villes et villages quand ils attaqueront les casemates de la ligne Maginot. Mama, et cher Unia. Oh yeah, du Kind. Julien, va chercher une pomme pour la petite. Pauvre enfant, s'ils détruisent toutes nos fermes, qu'allons-nous devenir? Nous sommes des paysans et sans notre terre, nous n'avons plus rien. En plus, nos hommes ont été rappelés sous les drapeaux. Yaya, les nôtres aussi. Mon mari est actuellement cantonné dans le nord de la France, alors que les Allemands sont tout près d'ici. Mais où allez-vous comme cela? Les autorités militaires nous ont demandé de rejoindre la gare du Benfeld. De là, ils iront nous héberger ailleurs. Mais pour l'instant, nous ne savons pas du tout où nous irons. Nous abandonnons nos villages aux mains des milliers de soldats qui occupent cette fameuse ligne Maginot, mon Dieu. Qu'allons-nous retrouver à notre retour? Oh, vite, ah, ces femmes toujours hâtent. Si vous lisiez un peu le journal, vous sauriez que la ligne Maginot est infranchissable. D'ici quelques semaines, nous serons de nouveau chez nous et nous n'en parlerons plus de tout ceci. Thank you.
colocant comme toi. Hé, con! Je suis comptable dans le civil. J'ai plus d'habitude des longues additions que de piocher et pelleter la terre. J'ai mal partout, dans les genoux et dans les bras, à force de creuser les tranchées sur la place Briand. Bon, la mer, il faut bien protéger les habitants de ce plan en cas de bombardement. Ils sont tellement sympathiques et le petit vin blanc de la mère Louise. Bon, le détour. Mais pour l'instant, tu vas te fatiguer tes doigts, car l'intendance nous a donné des patates à éplucher. Du calme, Lazako. J'aimerais vous y voir. La journée, nous devons creuser des tranchées. Et le soir, nous avons la corvée des patates, si nous voulons manger. De plus, hier, je me suis fait mal au dos en installant les canons anti-aériens à la sortie de Benfeld. Super! Avec des canons anti-aériens, notre ville ne risque rien. Oui, à condition qu'on nous livre les munitions à temps. Car pour le moment, nous avons uniquement la batterie, pas les obus. Et qu'il fait froid dans ce pays! Les températures d'ici n'ont rien à voir avec celles de Montauban que nous avons quittées pour défendre la ligne Maginot. Venez, goûtez-moi ceci, mon kouglof, et mon petit vin blanc redonneront le moral à n'importe quel soldat cantonné à Benfeld. Profitez-en, j'avais encore ces quelques réserves alimentaires dans la cave. Le rationnement qu'on nous impose ne me permettra plus de refaire des extras. Ah, ma bonne Louise! Que ferait le groupement de reconnaissance du corps d'armée numéro 13 sans toi? Yaya, est-ce que tu es... N'oubliez pas que je suis mariée et que mon homme, tout comme vous, a été mobilisé pour défendre la France. Allô, Églantine? Ici Mirabel. Oui, mon commandant. Maman. Mais comment tu le fais? Les troupes allemandes n'ont pas respecté la neutralité de la Belgique et contournent la ligne Maginot par le nord. Oh, Donnerwetter! Et mon mari qui est stationné dans le nord? Le quartier général m'informe que les terrains d'aviation sont bombardés par des Stuka. Il a été donné ordre au génie de faire sauter les ponts qui nous relient à l'Allemagne. Mais nous allons gagner la guerre! La ligne Maginot ne laissera pas passer les ennemis, n'est-ce pas? Mais ne comprends-tu pas, mon petit? Avec leurs engins motorisés, les nazis contournent notre ligne Maginot. Ils vont l'attaquer par l'arrière, alors que nos canons sont braqués vers l'est. Ils sont donc sur le point de nous encercler. Vous n'allez pas nous abandonner aux mains des ennemis. Ne faites pas cela. Regardez notre monument aux morts de la Grande Guerre. Et souvenez-vous de ceux qui ont perdu leur vie pour défendre la France. Allô, Églantine, ici Mirabel. Les escarmouches se multiplient le long du Rhin. Et pour éviter tout encerclement, nous devons immédiatement décrocher vers le chemin des dames dans l'Aisne. Bien, mon commandant. À vos ordres, mon commandant. Louis, c'est Rana Opéros. N'avez-vous donc aucun respect?
Ah, Louise. N'as-tu pas entendu? Pas avant midi, un sale car allemand est entré dans la ville. Ils seront bientôt plus nombreux et vont imposer leurs lois et leurs coutumes. L'administration allemande va ordonner la destruction de tous nos monuments, alors en mémoire de nos soldats tombés en 14. Et pour préserver quelques valeurs de la France, nous allons enlever et cacher la Jeanne d'Arc. On espère bien qu'un jour, elle reprendra sa place dans notre ville. Ah, enfin une note d'espoir. Le 18 juin 1940, les troupes allemandes occupent notre ville et l'une des périodes les plus sombres de son histoire commence. Après son retrait de Benfeld, les soldats du GRCA combattent sur le chemin des Dames, dans l'Aisne, où le 8 juin, ils sont encerclés et faits prisonniers. Ainsi prend fin la drôle de guerre.